Alors moi c'est Mohamed Ali, pour faire court Momo. Je viens ici au FIFAI cette année pour la première fois pour présenter mon premier film. C'est un doc de 26 minutes qui a été réalisé dans un atelier qui a été organisé par DocMonde. Et le film est produit par Ardèche Images Productions et les films de Lily Amada. Et diffusé par Synapse TV. Le film, c'est un regard critique sur le système éducatif à Madagascar, plus particulièrement l'enseignement supérieur. C'est un film qui a été tourné dans l'université, au sein du campus de l'université de Tamatave, la deuxième ville de Madagascar. Et donc, c'est un film qui est tourné en immersion, qui montre un peu la vie du lieu. Sans qu'elle ait précisé des enfants. La même révision, les amis. Le cinéma à Madagascar se porte bien aujourd'hui. Il y a de plus en plus de réalisateurs, de nouveaux films, une nouvelle génération dynamique quoi, qui porte le film malgache à travers le monde. C'était mon regard. C'est mon regard par rapport à ça. C'est un sujet qui me touche à cœur parce que je me dis que bon, on est un pays pauvre, sous-développé. Le développement passe par l'éducation, ça va de soi. Donc c'est ça qui m'a poussé à tourner ce film. Là, j'envisage de tourner une version, une suite du film, ou peut-être pour cadrer, pour montrer plus de choses que je n'ai pas montré dans ce sens-là, parce que le thème est encore vaste et c'est un thème qui me semble aussi universel, parce que le problème ne touche pas qu'à Madagascar, mais on peut retrouver la même problématique dans d'autres pays, que ce soit africains ou autres. Et donc, je me dis que bon, vaut mieux documenter le monde là-dessus, sinon les films, ça va suivre. J'ai d'autres films en cours. Les dirigeants, mais une belle tchèque, ça. Car quand ça t'es amaïda, Fa, dirigeant, les actes si essentiels, si déboulés, il est en tant que ticket, il est en train de se développer. Moi, en cas de madame, si pays sous-développé, pays pauvre, pauvre. Hein? Voilà, mais ça veut dire carrément ma université. Bon, on aurait un bon maït, mais comme dire film. Ça va à l'université. Ça tient les foot fans de Sunanika à venir faire des hein? Et qu'ils ne le lisent. Foot fans. J'aime bien la fin quand il dit que l'éducation, c'est la base du développement et que si c'est ça ce qu'on voit, alors qu'est-ce qu'on peut attendre du futur? Si ces gens-là, c'est les futurs cadres, c'est eux qui sont censés diriger le pays demain. Et ceux qui n'ont pas allé à l'école, alors, ils sont comment?